Pendant 3 jours à Oran avaient lieu les championnats de France FSGT. Nous y sommes allés. On commence par prendre le télésiège du Bénon et aller sur le parc de slalom 2B. Boris Brun. La FSGT, c'est la Fédération sportive et gymnique du travail. Elle a été créée en 1934 dans la dynamique du Front populaire et anticipant d'un an la réunification syndicale. La FSGT est créée par la fusion de la FST, proche de la Confédération Générale du Travail Unitaire, CGTU, et de l'USSGT, proche de la Confédération Générale du Travail, CGT. Son président est Lydia Martins Viana. Il y a 4300 clubs en son sein et 270 000 licenciés. Pour ce FSGT, vous venez d'où tous les trois là? Alors, on vient d'Annecy, la Haute-Savoie. Ouais, la Yacht. La Yacht, hein. Voilà. Ouais. Tous les trois. Et on découvre ce beau paysage. Bon, au niveau performance, vous avez envoyé un peu du trait dans le pentu ou pas? On est devant, trait dans le pentu. Là, je pense qu'on va. Il y a une cloche en jeu et je pense qu'on va la ramener encore en Haute-Savoie. Ouais, je pense. Presque chaque année. D'accord. Voilà, on est trop fort là, Haute-Savoie. Bon, quel est l'intérêt d'une course FSGT? C'est que ça mélange un peu tout le monde, c'est le côté convivial. L'amitié. C'est l'amitié. L'amitié. Le plaisir de se retrouver. Et puis, ça permet de courir avec ses parents. Un peu tout le monde, c'est, voilà. C'est mixé, les enfants, il y a tout le monde. C'est mixé, donc voilà. C'est sympa, quoi. C'est bien convivial, ouais. Ouais. Bon, voilà. Et vous êtes venu passer 2 jours, 3 jours et... 3 jours, sympa. Un petit hôtel par là, c'est super. On fait la fête tous ensemble avec les copains des Pyrénées, de la Paris. Côte d'Azur, de Parisiens, voilà. On se retrouve chaque année. Sympa, quoi. Bien, super, ouais. Bon, ben, bravo. L'année prochaine, vous savez déjà où c'est ou pas? Donc c'est l'Isère qui organise, donc on va se retrouver, je pense, à l'Alpe d'Huez ou au Sept-Loup. D'accord. Voilà. C'est pas défini encore. Ouais. Et l'année d'après, ça sera chez nous, en Haute-Savoie. D'accord. Voilà. Bon, ben, bravo. Merci. La 9 Mont-Blanc. Nous, on a la 8 Mont-Blanc. Mais... Voilà, nous, c'est 9 Mercantour. 9 Mercantour. Okay. 9 Mercantour. Voilà. Super. Vous avez compris que pour beaucoup de participants, le résultat de la compétition était secondaire. Ils étaient quand même 130 et il y a eu pas mal d'épreuves pendant 3 jours à Oran. La FSGT qui a pratiquement le même âge que la station de Oran puisqu'elle a fêté ses 80 ans en 2014. Saint-Juliette. Quelques-uns des objectifs de la FSGT. Un sport de qualité par un travail critique sur le contenu, l'adaptation sans limite des règles officielles, la pédagogie, la formation. Un sport le moins cher possible par l'engagement bénévole dans l'animation, la reconnaissance de l'expérience acquise. Un sport démocratique et laïque par un fonctionnement citoyen non hiérarchique. La FSGT est autogérée sous la responsabilité de chacun et de tous. Voilà ce qui illustre ce que disaient les concurrents qui étaient sur le télésiège avec moi. Il y a des gens qui ont du niveau et d'autres un peu moins, et c'est ce qui fait le charme.
toujours à Oron sur les Nabines. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous faites ici avec ce pardon ? C'est un week-end qu'on fait d'initiation au ski et au snowboard pour les personnes à mobilité réduite, oui. Amputation et aussi handicap moteur. Oui. Et donc, il y a des prothésistes qui viennent nous aider à équiper les personnes en prothèses de glisse. Et ça permet de retrouver, que chacun retrouve les voies de la glisse en ski ou en snowboard. Donc on fait ça depuis 4 ans, c'est la quatrième fois qu'on vient à Oron en fin de saison, en mars. Et donc on loge tous au Bataclan à côté. D'accord. Et donc il y a le fabricant Autoboc et les prothésistes de Chablos qui nous aident à l'association à Nice et à Depa de pouvoir retrouver toutes ces voies qu'on avait perdues sans prothèse. Alors comment vous faites ? Parce qu'au départ vous venez à Oron, vous êtes déjà plus ou moins équipé, non ? Ou alors ils vous présentent des nouveautés, ça se passe comment ? Non, chaque année il y a des nouvelles personnes qui malheureusement perdent un membre. Ouais. Et donc on les convie à venir à ce week-end. Et du coup on leur apporte notre aide et il y a des personnes qui évidemment ça fait un moment qu'ils font du ski ou du snowboard avec une prothèse et donc il y a un échange, une mixité, un échange et un partage de tout ce qu'on peut avoir comme appareillage. Voilà. Comme appareillage, oui. Donc la prothèse, c'est une prothèse qui existe depuis 2011 et elle s'appelle la Procarve. Et donc je suis l'initiateur de ce week-end avec la NICES et la DEPA. Et du coup, moi je suis un peu leur exemple puisque j'ai fait les Paralympiques à Sochi en Russie. D'accord. Est-ce qu'on peut voir le genre de prothèse que vous leur faites essayer ? On a une languette ici qui permet pour les skieurs de pouvoir débrayer l'amortisseur pour pouvoir plier sur le télésiège. Ouais. On a un vérin ici qu'on peut régler suivant le poids de la personne et l'activité qu'on va en faire. Et dans la chaussure aussi, on a un pied qui permet aussi d'avoir une flexion de cheville, un amortisseur identique à celui-là. Ici, on a une valise qui est qu'on met directement sans chaussure sur un ski. D'accord. Donc vous voyez, on a l'amortisseur ici. Donc ici, c'est on peut jumeler les deux. Suivant le handicap, on met soit que le pied, soit le pied plus le genou. Ça permet de retrouver toutes les sensations de glisse. Et j'imagine que c'est pas donné ce genre d'appareillage. Oui, c'est le problème. C'est pour ça que nous, en tant qu'association, on fait des demandes de subventions, on trouve des partenariats et on investit dans des prothèses qu'on peut prêter ou louer, suivant le cas, ou des personnes qui ne peuvent pas investir autant d'argent dans une prothèse. Oui, on a aussi une équipe importante, les prothésistes qui sont venus en nombre. On a 23 personnes qui sont venues nous aider, plus tous les bénévoles de l'association à Nice et à Depa, qui sont aussi une dizaine. D'accord. Pour un groupe de 100 personnes à peu près de toute la France, et on a 36 personnes en état d'handicap. Ok. Vous, donc, c'est pour ceux qui veulent en faire tout seul, parce qu'après, il y a les sièges, par exemple, avec le skieur derrière qui les pousse, ça, c'est différent. Oui, alors là, c'est pour d'autres handicaps. On a des handicaps des hémiplégies ou qui peuvent se mettre en fauteuil. On a un snowcart qui tourne sur la face. Voilà, c'est à disposition. Et on a aussi un tandem. D'accord. On a 4 personnes qui ont une maladie auto-immune, qui n'ont pas assez de force dans les jambes pour skier debout. D'accord. Voilà, donc là, elles skient en snowcart ou en carte ski. Il y a différents modèles de fauteuils qui permettent de retrouver des sensations. Merci. Voilà. Alors Hervé Collin, vous êtes ? Hervé Collin, je suis orthoprothésiste et responsable de l'agence Chablos Orthopédie à Nice. Et lors de ce week-end, on collabore avec l'association à Nice et à Depa, qui sont des associations d'entraide aux personnes handicapées. Et on met à disposition du matériel spécifique pour la pratique du snowboard et du ski, du sport de glisse en général. On met ce matériel à disposition d'une trentaine de patients. Donc il y a un week-end où on a 100 personnes qui viennent avec les familles, etc. D'accord. Et 30 patients amputés qui vont reprendre ou perfectionner leur glisse. Ça coûte combien Alors parce là, que pour un week-end comme ça, c'est du matériel qu'on met à disposition gratuitement, ouais. Qu'on investit gratuitement
pour une collaboration uniquement basée sur le plaisir, sur la sensation de glisse et sur la reprise d'un sport loisir pour des personnes qui ont eu un passé difficile. D'accord, mais sinon, on voit bien que c'est de la haute technologie. Ouais. Un matériel comme ça, ça doit coûter une fortune. Vous pouvez me donner un ordre de prix ou pas ? Une fortune, non. C'est sûr que derrière, il y a une recherche et des années de tests avant d'arriver à un produit abouti comme celui qu'on propose ce week-end. Le pied, donc ce système, il est composé d'un pied spécifique ou d'un système genou plus pied, ouais. Pour les amputés fémoraux. Pour le pied, on va être autour de 4000 euros. Pour équiper un patient tibial, et on va être sur à peu près 10 000 euros le genou plus le pied pour pouvoir reprendre la pratique du ski ou du snowboard en fémoral. Et j'imagine que la Sécu ne rembourse pas ce genre de choses. C'est un matériel qui est spécifique et qui n'est pas du tout pris en charge par la Sécurité sociale. Certains patients qui s'équipent font appel à leurs assurances privées ou alors font des dossiers auprès de la MDPH pour des compensations de handicap. Des personnes qui étaient déjà sportives avant et qui justifient à travers un dossier la prise en charge de ce matériel. Et sinon, est-ce qu'ils sont. Là, c'est pour le sport, mais s'ils veulent tout simplement marcher, j'imagine que là, ils sont remboursés quand même. Oui, tout à fait. Les prothèses de marche du quotidien sont prises en charge à hauteur des compétences de chaque patient. D'accord. Ils leur permettent de retrouver une autonomie maximale en fonction des progrès technologiques actuels et puis des compétences, des capacités que le patient a à utiliser le matériel. Donc voilà, la prothèse sportive, c'est une évolution, donc c'est encore autre chose, quoi. Voilà, c'est bien spécifique et à l'heure actuelle, la Sécurité sociale ne prend pas ce genre de produit pour le VTT ou pour tous ces sports qui demandent du matériel adapté et précis. Un peu comme celle qu'avait par exemple, comment il s'appelle, Siscarius ou je ne sais plus celui Pistorius, qui... Siscarius, voilà, bah, voilà. Des prothèses de sport par exemple, là pour cet exemple-là, ça va être des prothèses de course. Ouais. C'est spécifique et ce n'est pas pris en charge par la Sécurité sociale ou par les organismes sociaux en général. Donc, merci. Les sportifs de haut niveau vont pouvoir avoir des financements à travers des sponsors. Pour des patients lambda, il faut trouver des financements différents. Alors, Monsieur Filippini, président donc de l'association qui est organisatrice de cet événement, c'est ça ? C'est ça, l'association ANIS, l'association niçoise d'initiative culturelle et sportive. Et donc, en plus, vous êtes malvoyant ? En plus, je suis malvoyant, c'est ça, tout à fait. Et vous, j'ai vous créé l'association en juillet 2007, et nous arrivons à déjà 10 ans. Et vous faites du ski, j'imagine. Et je fais du ski depuis 3 ans, depuis qu'on a organisé ce stage de glisse pour personnes en situation de handicap, que ce soit handicap physique, handicap sensoriel. Ouais. J'ai retrouvé le goût de faire du ski avec un accompagnateur, bien sûr, un guide, et pouvoir faire du ski alpin, puisqu'avant, avant de perdre la vue, il y a plus de 22 ans de ça, je faisais du ski alpin avec les amis, et depuis, c'est vrai que je n'étais plus remonté sur les skis, hormis ski de fond ou raquette. Mais le ski alpin, je suis plus remonté. Et c'est vrai que c'est un immense plaisir de venir, déjà d'organiser, parce que c'est vrai que ça draine plus d'une centaine de personnes. On a plusieurs types d'handicap et ces personnes, de les voir avec le sourire, parce que c'est en grande majorité des personnes amputées, avec les essayages de prothèses. C'est vrai qu'ils peuvent se faire du snowboard ou du ski avec des prothèses et des jambes adaptées. Vous leur redonnez le goût à la vie, au sport, voilà. C'est ça. Vous ouvrez un nouvel horizon, en fait. C'est ça, parce que les trois quarts des personnes, ce sont à cause d'un accident. Parce que l'accident, malheureusement, ça arrive à tout le monde et à toute heure, il n'y a pas de jour. Hein. Oui, c'est ça, on ne choisit pas. Hein. On ne choisit pas, c'est ça. Et par contre, une chose qui est sûre, c'est que pour certains, ils viennent de Corse, de Lille, de Marseille, un peu de partout de toute la France. Ouais. Et on peut leur faire essayer des prothèses adaptées. Ouais. Et ils peuvent regoûter et
regoûter aux joies de la glisse comme ils ont pu en faire avant eux aussi, avant que l'handicap leur tombe dessus. C'est vrai que c'est du bonheur parce que ben, on les voit avec le sourire, on les sent, ils sont contents. Le soir, et, ben voilà, toute la journée, ils skient comme tout le monde et c'est magnifique. Oui, en fait, c'est, voilà, se sentir comme les autres de nouveau. Quoi. C'est ça, ouais, ouais. De dire, eh ben voilà, moi aussi j'ai fait du ski, moi aussi j'ai fait du snow, moi aussi je suis parti en week-end à la neige, moi aussi je suis parti avec des amis. Bon voilà, c'est le partage, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le partage et c'est le. C'est de sentir, d'avoir les sensations de descente. C'est quelque chose de magnifique, de beau. Ben, bravo, et puis continuez comme ça alors. Merci, on continue, et maintenant cette année se termine, mais l'année prochaine on renouvelle maintenant ce stage qui plaît à tout le monde, ça fait que tous les ans on sera ici dans la commune de Rouen. Merci beaucoup. Merci à vous. Premier avril à Isola 2000, Ice DJ Festival. L'apothéose, normalement, Kungs doit arriver. Il doit venir d'Avoriaz en hélicoptère. Mais comme vous pouvez le constater, le temps se gâte. En attendant, les premiers arrivés se chauffent, comme vous pouvez le voir. Là, c'est Mike Panama qui commence le premier set d'ouverture avant l'arrivée de Kungs, s'il vient. Ben non, Kungs ne vient pas, c'est pas un poisson d'avril, il n'a pas pu décoller d'Avoriaz où il était avant. Et c'est Mike Panama qui va mettre le feu, vous allez voir. Les toughers qui ne reculent devant rien et qui sont là malgré la neige. Auront le même week-end ont fêté la rando. Avec des balades en raquettes gratuites et des films projetés au cinéma. Et le dimanche, du water slide dans cette mare, enfin dans cette grosse flaque aménagée, et de la lugerboard, gratuite, en démonstration avec le moniteur qui est là. On remplit la piscine pour le water slide, pour les courageux. Et Richard Martinez, le moniteur de Lugerboard, nous fait une petite descente. Mmh.
La Lugerboard, raconte-moi un peu comment ça se passe cette activité sur Oron. Donc ça c'est un concept de luge qui a été inventé il y a une quinzaine d'années en Suisse. Ouais. C'est un principe d'un matelas gonflable, mais il y a des cars en dessous. Ça veut dire qu'en fait on peut dévaler toutes les pentes, que ce soit piste, hors piste, et c'est vraiment un vrai engin de glisse. Alors à Oron, on le propose dans le cadre des programmes d'animation. Déjà tous les samedis soirs de 17h30 à 19h, on a la piste verte des David qui est ouverte avec le télésiège gratuit. Et tout le monde peut venir essayer soit ses propres luges, soit la luge airboard avec de l'initiation bien sûr, parce qu'il faut connaître un petit peu les rudiments pour au moins savoir tourner, savoir freiner, tout ça. Et en plus, on a une spécificité qu'on fait à Oron. Une fois par semaine, on va prendre le dernier télésiège du Blénon et on va descendre la piste bleue du Blénon, elle fait 4 km de long. Et la piste sera fermée par les pisteurs derrière nous, donc c'est vraiment sympathique. On a la piste pour nous, en toute sécurité. Et là, c'est l'occasion pour ceux qui n'en ont jamais fait d'apprendre, et ceux qui connaissent, bien sûr, d'en refaire. Parce qu'au niveau des sensations, c'est vraiment du fun et des super sensations garanties. Ouais, en plus, t'es tête en avant, donc c'est un côté assez sympa, quoi. Oui, en fait, le fait d'être près du sol, comme ça, c'est un petit peu comme l'hydrospeed en rivière, le bodyboard en mer, on est vraiment... au cœur des sensations, quoi. C'est vraiment très très sympa. Ouais, t'as des prises de quart et tout, quoi. Oui, il y a des quarts en dessous, hein, donc on peut le voir sur la luge. On voit qu'il y a des quarts et le fait de se pencher sur le côté, hein, ça permet de mordre avec les quarts dans la neige et ça tourne bien. Bon, après, c'est l'avantage, c'est que c'est pas trop dangereux parce que même si les gens s'emballent un peu, ils ont juste à se jeter de la luge, à tomber dans la neige. À la luge est attachée avec un leash et puis bon, là, en toute sécurité, il n'y a pas de problème. Mais enfin, ça nécessite de toute façon d'être encadré. C'est ce qu'on fait sur la station d'Oron, encadré par un professionnel. Et bien sûr, on n'a pas le droit de pratiquer la luge dans la journée, au milieu des pistes, avec les skieurs, parce que ça paraît évident que c'est quand même... Voilà, on ne fait pas du bowling, on ne fait pas des strikes avec les skieurs. C'est pas possible. Merci. Les gens s'y essayent volontiers, comme vous pouvez le voir. Les sensations c'est difficile vu que ça colle. Oui, mais les sensations. Il faut se jeter en fait. Quand tu démarres, il faut se jeter. Pour que ça commence à prendre de la vitesse. Mais c'est difficile à diriger. Hein. Il faut essayer de lever le côté. Je sais pas comment on fait pour diriger, c'est difficile. Alors il dit qu'il y a des quarts. Il faut se pencher. Pour le water slide, il a fallu attendre beaucoup plus longtemps. Voici quelques images quand même.